Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur la quintessence de cette rencontre? La quintessence de cette rencontre, c'est pour apporter un soutien à un ami qui est dans des situations difficiles. Comme nous le savons, depuis un bon bout de temps, une campagne de déstabilisation est levée envers M. Alassane. De ce fait, nous, mouvement associatif, sommes là pour lui montrer que face à cette épreuve difficile, il dit, il ne sera pas seul et il ne sera pas seul car nous le disons à la face du monde. Vous avez dit que vous n'allez pas laisser Alassane seul dans ce combat. Comment comptez-vous apporter votre soutien? Notre soutien, on l'a commencé aujourd'hui par un point de presse. Les autres activités que nous allons dérouler, nous allons le dire, informer les gens et vous allez être en informer les premiers, vous aussi les journalistes. Voilà. D'une manière générale, comment vous avez vu ces accusations contre Alassane? Non, les accusations, nous les avons vues comme tout le monde. Nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul, vraiment, organe qui a apporté des accusations envers ce monsieur-là. Qui a le sale, c'est la vidéo de BBC. À part cette vidéo-là, il n'y a aucune autre information tendant vraiment à mettre en doute à le sale, mais nous a fait parvenir. Donc, nous remettons en doute cette vidéo-là et attendons d'autres preuves tangibles. Alors, avec cette situation, vous risquez que quand même il y aurait forcément du retard avec le démarrage des navettes, avec les policiers qu'on va réquisitionner pour les marches qui seront vraiment en outre dans ce pays. Non, là, ce n'est pas l'objet de du point de presse. C'est pas l'objet du point mais de presse. Mais tout à l'heure, le président aussi disait qu'avec cette situation, on risque de perturber même le démarrage des navettes. Qu'est-ce qui lie ces deux affaires? Qu'est-ce que vous craignez réellement? Non, nous craignons la déstabilisation du pays et l'instabilité. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Parce que le pays nous a apporté, nous tous. Et nous ferons face à ces forces déstabilisatrices. Aujourd'hui, vous appelez les Sénégalais au calme et à la sérénité. Nous les appelons au calme et à la sérénité. En attendant que la justice fasse son travail. Si nous avons des problèmes, nous tous qui sommes là, mais nous allons vers la police ou bien vers la justice. Et pourquoi on refuse la justice de faire son travail? Attendons. Et soyons patients. Mais si elle est sale, il faut que la justice fasse son travail. S'il n'est pas faute que la justice libère des difficultés qu'il vit actuellement. C'est ce qu'on nous demande. Vous pensez que cette affaire risque de prendre en otage en fait tout le pays, le déroulement même du pays? Mais on le voit actuellement. Chaque semaine, il y a des marches, il y a des sit-ins qui sont organisés. Et toutes les forces de police sont mobilisées par rapport à cela. L'État dépense énormément d'argent. Et ça, on pouvait nous l'épargner. Alors des marches sont annoncées à Guédiaoué avec Babacar Megraf. Quelle sera la position du Je ne peux pas m'avancer par rapport à cela, parce que ça n'engage que celui qui l'organise. Je parle au nom de ma structure. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet contre tout ce bruit-là, puis en gros, le Sénégal? Inquiet, non, nous sommes sereins. Parce que nous savons l'homme à qui ces accusations vraiment sont adressées est un homme qui est humble, modeste et intègre. Et l'histoire de Nadal. Quelle sera la prochaine étape de presse? Oui, de fond, on va dire à Tigui. Les gens auraient qu'à appeler leader populaire du cinéma. Nous avons voté pour une bagnole. Nous avons fait une guerre qui a été la famille de la famille de la famille. Nous avons fait une guerre. 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 Je suis un peu plus de temps.
Dañu wara gëm ni deful dara ba kërëm ñu gis ni.